La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Frère. Amen. Soyez chacun, chacune, les bienvenus pour ce culte du dimanche matin, ce moment que vous avez mis à part dans votre journée, dans votre semaine, pour vous mettre à l'écoute d'une parole qui vous déplace et qui vous relève. Si vous êtes ici de passage ou pour la première fois, soyez particulièrement les bienvenus et n'hésitez pas à nous faire signe à la sortie. Nous nous réjouissons de faire connaissance. C'est une joie particulière ce matin d'accueillir parmi nous Emma Van Dorp, qui a accepté de préparer ce culte avec moi. Elle connaît la cathédrale et le Bourg-de-Four mieux que moi, puisqu'elle a grandi dans cette paroisse. Et aujourd'hui, après des études à la faculté de théologie, elle n'en est pas encore sortie, puisqu'elle a commencé une thèse en théologie systématique et en œcuménisme, sous la direction des professeurs Beate Bengard et Odair Pedroso Mateus. Elle sera également, à la fin de l'été, la déléguée de la jeunesse à l'Assemblée générale du COE, qui se tiendra à Karlsruhe début septembre, c'est ça, hein ? Et je n'oublie pas non plus, parce qu'elle nous est particulièrement précieuse, sa collaboration aux célébrations familiales qui ont lieu une fois par mois le samedi matin, juste à côté, à l'auditoire. Bienvenue à toi, Emma. Je vous invite à la prière. Avec les mots de Renaud Rindlisch-Bacher, un des auteurs du site Miettes de Carême, qui propose chaque jour une méditation poétique pour le temps de la Passion. Voici, pour entrer dans ce culte, ces mots. Quitter son nombril, céder ses orteils, poser son écran, lâcher les francs, se dépouiller de ce petit monde où il n'y a que moi sur les ondes. Commencer à démêler toutes les ficelles, toutes les dentelles, toutes ces coutures qui me clôturent. Lever la tête, ouvrir les yeux, écouter seule l'immensité des cieux. Accueillir l'autre dans mon jardin en friche, me découvrir pauvre alors que je me croyais riche, tout recommencer à partir de lui, enraciner la communion dans l'aujourd'hui et parcourir ensemble le chemin de la vie. Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter non pas « Je louerai l'Éternel », mais le numéro 64 dans vos psaumes et cantiques, les strophes 1, 2 et 4.
lectionnaire nous propose d'entendre aujourd'hui le psaume 27, qui par ailleurs est prié par de nombreux réfugiés ukrainiens. Ces mots prennent un relief tout particulier. De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est la forteresse de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Si des malfaiteurs m'attaquent pour me déchirer, ce sont eux, mes adversaires et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. Si une armée vient camper contre moi, mon cœur ne craint rien. Même si la bataille s'engage, je garde confiance. J'ai demandé une chose à l'Éternel et j'y tiens. Habiter la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et prendre soin de son temple. Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur. Il me cache au secret de sa tente. Il m'élève sur un rocher. Et maintenant, ma tête domine les ennemis qui m'entourent. Dans sa tente, je peux offrir des sacrifices avec l'ovation et chanter un psaume pour l'Éternel. Éternel, écoute mon cri d'appel. Par pitié, réponds-moi. Je pense à ta parole. Cherche ma face. Je cherche ta face, Éternel. Ne me cache pas ta face. N'écarte pas avec colère ton serviteur. Toi qui m'as secouru, ne me quitte pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Père et mère m'ont abandonné, l'Éternel me recueille. Montre-moi la route, Éternel, et conduis-moi sur une bonne route, malgré ceux qui me guettent. Ne me livre pas à l'appétit de mes adversaires, car de faux témoins se sont levés contre moi en crachant la violence. Je suis sûre de voir les bienfaits de l'Éternel au pays des vivants et vivantes. Attends l'Éternel, sois forte, sois fort. Prends courage, attends l'Éternel. Amen. Je vous invite à la prière. Éternel, tu sais à quel point le courage de nous attendre à toi, de nous attendre à ta venue dans nos vies, nous fait défaut. Tu sais à quel point notre foi est timide, notre espérance est peureuse, notre amour est compté et notre prière paresseuse. Nous avons besoin de toi pour renouveler notre foi, vivifier notre espérance, multiplier notre amour et illuminer notre prière. Oui, Éternel, nous te le demandons. Sois notre force.
Amen. Et je vous invite à vous lever pour chanter notre deuxième chant, le numéro 57, « J'aime mon Dieu », les strophes 1, 2, 3 et 6. Voici la parole de grâce qui nous est transmise de la part de l'Éternel par le prophète Ézéchiel. Ce n'est pas la mort du pécheur que je veux, mais qu'il change et qu'il vive. Changez, abandonnez vos erreurs, afin que l'injustice ne cause pas votre ruine. Je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Revenez et vivez. Et je vous invite à chanter notre reconnaissance avec le 360, les strophes 1, 2 et 4. Thank you.
Avant d'ouvrir les Écritures, nous prions. Dans nos vies, parfois durcies par les souffrances et l'injustice, dans nos cœurs labourés par les blessures et les chagrins, que ta parole germe et soit féconde. Dans nos vies encombrées de trop de cailloux, lourds à porter, dans nos cœurs parfois troublés par la peur et les soucis, que ta parole se fraye un chemin et prenne racine. Dans nos vies où trop de voix plus fortes étouffent ta voix, dans nos cœurs parfois fragiles et hésitants, que ta parole se déploie et grandisse. Dans nos vies toujours riches de promesses et de dons, dans nos cœurs qui ne demandent qu'à aimer et à être aimés, que ta parole rayonne et porte fruit pour une moisson de bonheur et de joie. Amen. Le livre de Josué raconte la conquête de la terre promise par le peuple hébreu à coups de prise de possession guerrière et de massacres sanglants. Pas évident à entendre, jamais, mais particulièrement aujourd'hui. Pourtant, il ne faut pas oublier une donnée essentielle. Les récits du livre de Josué ne sont pas des récits historiques. Une telle conquête guerrière n'a jamais eu lieu. On n'en a aucune trace archéologique, aucun indice dans les écrits des autres peuples. Ces récits ont été écrits à un moment où le peuple d'Israël avait besoin de réaffirmer à la fois son droit d'être sur cette terre et sa pureté ethnologique et religieuse. Et malgré ça, on trouve dans ce récit, dans ce livre, des voix contestataires de cette pureté, et notamment avec le récit que nous allons entendre aujourd'hui. En écho aux guerres qui font rage, proches de nous en Ukraine, mais aussi plus loin dans le monde, sorte d'actualisation tragique de ces récits et de l'histoire de Rahab, vous entendrez en dialogue avec la prédication des extraits du livre « La force des femmes », écrit par le gynécologue David Mukwege, prix Nobel de la paix en 2018, en reconnaissance de son travail auprès des femmes congolaises victimes de violences sexuelles. Bien des années avant l'épisode raconté ici, le peuple hébreu avait déjà fait une tentative pour s'installer dans la terre promise. Moïse avait envoyé 12 éclaireurs. Ils étaient revenus émerveillés par la richesse de la terre, tétanisés par la puissance de ses habitants. Le peuple, alors, avait été contaminé par cette peur, au point de préparer un retour en Égypte. Seuls Moïse, Aaron, Caleb et Josué exhortent le peuple à ne pas craindre les peuples du pays. En vain. Dieu lui-même finit par se manifester et se plaindre du manque de confiance du peuple. Après une discussion serrée avec Moïse, Dieu décide finalement que le peuple errera dans le désert jusqu'à ce que les adultes, qui ont manqué de confiance en lui, soient tous morts. Et alors, seulement alors, le peuple d'Israël pourra entrer dans son pays. Notre récit prend place à ce moment-là. Le peuple hébreu se trouve à nouveau aux portes de la terre promise.
menée cette fois par Josué, le successeur de Moïse. Nous lisons le chapitre 2 du livre de Josué et ensuite le verset 25 du chapitre 6. Josué, fils de Noun, fit partir secrètement de Shittim deux espions en leur disant « Allez, examinez le pays et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho « Voici, des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les deux hommes et les cacha, et elle dit « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et, comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne. De peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent, cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restèrent 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient soient de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchèrent par tout le chemin, mais ils ne les trouvèrent pas. Les deux hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne,
et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Noun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. » Et nous lisons le verset 25 du chapitre 6. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Les deux espions envoyés par Josué pour explorer le pays semblent avoir une conception toute personnelle de leur manière de la mener à bien, puisque leur première destination est la maison de Rahab, prostituée de son état. Alors certes, sa maison est sans doute l'un des lieux dans lesquels on peut apprendre beaucoup de choses, mais sans être grande stratège militaire, il me semble qu'ils ne font pas beaucoup d'efforts pour faire le tour de la ville, évaluer ses défenses, le nombre de soldats, etc. Peut-être que les espions sont secrètement convaincus que leur mission ne donnera rien. Peut-être qu'ils cherchent à prendre le moins de risques possible. Quoi qu'il en soit, les voici donc dans la maison de Rahab. Et le roi de Jéricho semble avoir un service de renseignement plus zélé que celui de Josué, puisqu'à peine arrivés dans la ville, ils sont dénoncés, et Rahab est sommée de les livrer. Rahab est dans une position délicate. Comme prostituée, elle est à la fois tolérée et méprisée par les autorités de la ville. Comme femme, elle est un être de deuxième classe, tant pour les espions que pour les soldats. Avec la guerre qui s'annonce, Rahab, comme toutes les femmes, est sûre d'être dans le camp des perdants, quelle que soit l'armée qui remportera le combat. Le viol fait malheureusement partie de la guerre, tout autant que la destruction, les massacres. Même s'il est souvent tabou, dans toutes les guerres, les soldats abusent de leur position de pouvoir pour se procurer des femmes. Ce sont des actes de conquérants qui visent les corps des femmes des ennemis vaincus. Le viol comme arme de guerre est différent. Il devient tactique militaire. Il est planifié. Les femmes sont délibérément prises pour cible pour terroriser la population. Il est coûteux, facile à organiser et malheureusement terriblement efficace. Le viol fait peur à tout le monde, hommes et femmes, au même titre que les menaces de mort. Il endommage le tissu social parce que ce sont les femmes qui s'occupent principalement des enfants.
En commettant les viols en public, les soldats détruisent la famille, les couples volent en éclats. Le viol est un moyen de saper d'une manière indélébile l'identité ethnique, d'une façon que le meurtre ne permet pas. Sans une once d'hésitation, Rahab choisit son camp. Elle va protéger les espions hébreux et elle envoie les poursuivants sur une fausse piste. Puis elle se tourne vers les espions et prend la parole pour leur faire un rapport circonstancié sur l'état d'esprit de la population. En fait, c'est elle qui fait leur job. Et on voit apparaître dans sa description la terreur. Cette fois, c'est le peuple de Jéricho qui, avant même que les Hébreux soient sur leur territoire, est saisi par la terreur, non pas tellement devant les Hébreux eux-mêmes, mais devant les Hébreux accompagnés et protégés par leur étrange Dieu. Rahab est ici la voix rassurante qu'il dit ce qu'il faut pour que les espions, à leur retour au camp hébreu, encouragent le peuple à la confiance en la parole de Dieu. Elle joue, peut-être sans le savoir, le rôle d'une prophétesse. J'aimerais m'attarder un petit moment sur ces notions de crainte, de terreur et de peur. La peur, nous la connaissons tous. Elle est suscitée par une situation précise et elle a pour fonction de mettre tout notre être, corps, esprit, en alerte, afin d'être prête à faire face à la menace, soit par le combat, soit par la fuite. Dans toute cette histoire, on voit apparaître plusieurs degrés de peur dans différentes situations et qui ont des conséquences diverses. 40 ans auparavant, les espions envoyés par Moïse et à leur suite le peuple hébreu ont eu peur des peuples installés en terre promise. Et cette peur devant d'autres humains les a amenés à retirer leur confiance à Dieu. Et c'est bien cela qui a été problématique, non pas d'avoir peur, mais de se laisser envahir par cette peur, au point d'oublier la confiance placée en ce Dieu dont ils ont fait l'expérience. Si on y regarde à deux fois, du point de vue du récit, leur peur est complètement ridicule. Dieu les a libérés de l'Égypte, le pays le plus puissant de l'époque. Et les voilà maintenant qui tremblent devant de petits peuples désunis. C'est ridicule, et pourtant c'est l'expérience de notre vie. L'ennemi de la foi, ce n'est pas le doute, c'est la peur qui mine la confiance. La peur tapie à notre porte, présente au détour parfois inattendu de nos vies, et qui peut prendre tant d'ampleur, tant de place, qu'elle semble effacer au moins pour un temps la relation confiante avec Dieu. La peur des Hébreux à ce moment-là les mène sur un chemin de mort. Il y a ensuite la terreur inspirée par le peuple hébreu et son Dieu au peuple de Jéricho, en tout cas d'après ce que dit Rahab. C'est bien le fait que le Dieu d'Israël soit présent aux côtés de son peuple qui fait peur à ce point, pas le peuple tout seul. Et pourquoi une telle terreur? Parce qu'il se représente que ce Dieu-là va être leur ennemi, qu'il l'est déjà, qu'il va les balayer violemment. Et cette terreur conduit le peuple de Jéricho à perdre courage, à perdre son élan de vie. Le peuple est tétanisé. Et son réflexe est de tenter de préserver la vie qu'ils ont toujours connue, avec les dieux qu'ils connaissent et qu'ils savent déjà apprivoiser. Rahab, elle, semble touchée par une forme de ce que les textes bibliques appellent parfois la crainte de Dieu. Il ne s'agit pas ici d'une peur qui brise la confiance, il ne s'agit pas d'une terreur qui tétanise sur place, mais d'une crainte respectueuse qui pousse à l'action pour chercher la vie. En effet, Rahab voit les envoyés du roi arriver de loin et elle agit tout de suite. Elle met à l'abri les deux espions sur le toit de sa maison. Après le départ des soldats envoyés par le roi de Jéricho, elle n'attend pas un signe, elle agit tout de suite en présentant son plan aux espions.
un plan qui donnera vie à Rahab et à sa famille. Mais pour quelle raison Rahab agit face à ces hommes? Car elle sait. Rahab affirme aux espions, « Je sais que le Seigneur vous a donné ce pays. » En hébreu, la racine « yada » signifie « savoir » mais aussi « connaître ». Nous pouvons donc aussi traduire la parole de Rahab ainsi, « Je connais le Seigneur qui vous a donné ce pays. » Mais comment Rahab peut-elle connaître un Dieu si lointain? Certes, elle a entendu le récit de ses exploits dans les autres pays, mais personne qui connaisse personnellement ce Dieu ne lui en a parlé. En fait, Rahab fait l'expérience de Dieu. Deux versets plus loin, Rahab dit ceci, « Car le Seigneur votre Dieu est Dieu là-haut dans les cieux, et ici-bas, sur la terre. » Dans ce verset, elle reconnaît ce Dieu lointain comme le sien. Reprenant, sans le savoir, la confession de foi de Moïse qu'il avait enseignée aux Hébreux. Les exhortant à reconnaître Yahvé comme son Dieu ainsi. C'est le Seigneur qui est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Rahab reconnaît ce Dieu-là, car elle expérimente un Dieu ici-bas, sur la terre, un Dieu proche d'elle. En effet, et c'est un premier point, Dieu s'approche de Rahab par l'intermédiaire de deux espions. Francine Carillo écrit dans son essai « Rahab la spacieuse » ce geste divin ainsi. Ce que vous, les espions, apportez, c'est un souffle, à la fois tendresse et rigueur. Tendresse pour nous envelopper et rigueur pour nous faire bouger. Rien d'une consolation facile, rien d'une machine qui effacerait nos mauvais pas, juste une brise pour affermir notre cœur et le rappeler à sa tâche de battre encore. Ce souffle, cette brise est bienveillante et puissante à la fois. Dieu se révèle comme Dieu bienveillant à Rahab, car il la reconnaît en tant que femme à part entière, en tant qu'être humain à part entière. Il ne la réduit pas uniquement à son statut de prostituée étrangère. Il la voit. Il ne la méprise pas comme les hommes ont toujours méprisé la prostituée étrangère. Dieu se révèle aussi comme un Dieu puissant à Rahab, car il touche le plus profond de son être. Il atteint le cœur de Rahab, ce cœur caché derrière les murs de Jéricho. Il atteint ce cœur pour lui demander son aide. Deuxièmement, Rahab s'approche de Dieu en acceptant de l'aider. Dieu a besoin d'aide, car il veut révéler cette puissance. Pour cela, Dieu a besoin de Rahab, et plus précisément, de sa confiance. Dans ses paroles, omniprésentes tout au long du récit, Rahab ne se laisse pas intimider par les espions ou par le roi de Jéricho. Elle ne montre aucune hésitation, aucune peur. Ses paroles assurées témoignent de sa confiance en ce Dieu qu'elle vient de rencontrer
et dont elle a choisi de se rapprocher. Il arrive qu'une parole brise une puissance qui se présente comme invincible, qu'elle brise la peur, la honte, et qu'elle ouvre le passage à la vie. Voici la rencontre entre un dignitaire de l'armée et une toute jeune résidente de l'hôpital de Panzi. Une petite fille s'est levée. Elle s'est présentée comme Vitula, 12 ans. Elle parlait distinctement, avec le don de l'innocence, mais aussi la franchise d'une enfant. Son assurance était impressionnante. Je travaillais dans les champs avec ma mère lorsqu'il y a eu des coups de feu. On est parti dans toutes les directions. J'ai essayé de suivre ma mère qui courait vers le visage. Tout était confus. J'étais derrière elle et je ne courais pas aussi vite. Et soudain, j'ai senti des mains autour de ma taille et je suis tombée. L'instant d'après, j'étais à terre, avec un poids immense sur moi, celui d'un homme, et je ne pouvais plus bouger. Vitula ignorait combien d'hommes l'avaient violée. Après l'attaque, les gens du village l'avaient secourue et amenée à l'hôpital. À la fin de son récit, on voyait les larmes couler sur les joues du général. Et tout à coup, il n'a pas été capable d'en entendre plus. Il s'est mis à sangloter. Jusque-là, fixé sur la fille, tous les regards se sont tournés vers lui. Et ses genoux ont cédé. Il a perdu connaissance. Et il est tombé violemment sur le dos. Cet épisode a été un jalon important pour notre travail. Il signifiait que notre travail avec la justice militaire avait un impact. Vitula et toutes les femmes de Chabunda sont une source d'inspiration pour toutes celles qui luttent afin de surmonter leur sentiment de honte. Mais surtout, j'avais été témoin. Nous avions tous et toutes été témoins de la démonstration du pouvoir des mots. En récusant son statut de pauvre victime dans un village agricole à l'écart de tout, Vitula avait fait flancher cette gigantesque stature avec la seule force de son témoignage. Elle n'éprouvait pas de honte, et pourquoi l'aurait-elle dû ? Dieu est puissant car il atteint le cœur de Rahab et l'a fait devenir actrice de sa propre vie. Dieu avait besoin de Rahab pour révéler sa puissance divine. La confiance de Rahab permet à Dieu de révéler la force qu'il dépose au cœur de l'humain. L'humain est ensuite invité à utiliser cette force d'agir pour sa vie et celle de sa prochaine, de son prochain. Rahab comprend que Dieu a déposé en elle une lumière d'espérance. Par respect de Dieu, la fameuse crainte de Dieu, et de son espérance de vie donnée, Rahab répond à l'invitation de Dieu. Elle prend l'élan de la brise puissante et bienveillante pour partager cette expérience, cette espérance de vie avec sa famille. Le récit de Rahab nous parle aujourd'hui. Il nous rappelle la puissance de Dieu au milieu d'un contexte guerrier. Dieu est puissant, oui, mais non par la violence. Il est puissant par la douceur et la force qui brise les murs de nos cœurs. Il s'approche de nous et nous pousse à être actrices et acteurs de nos vies. Je savais qu'il fallait trouver une parade au déferlement de haine et de dépravation au Congo oriental. La seule réponse, c'était plus d'amour et un amour plus largement répandu. Il fallait que nous nous améliorions, que nous nous développions
que nous touchions plus de gens, que nous aidions à reconstruire plus de vies et que nous élevions contre les conventions sociales cruelles qui affectaient des survivantes. Des femmes inspirantes, comme Bernadette, montraient la voie de ce qui pouvait être accompli. Bernadette a été violée et mutilée. Elle a été opérée à de multiples reprises. Sa famille et son mari se sont détournés d'elle. Mais déterminée à se relever, à vivre de nouveau, elle a obtenu un diplôme d'infirmière anesthésiste et elle travaille maintenant à l'hôpital de Pandy. Chaque jour, elle passe des heures au bloc pour éviter la souffrance d'autres femmes. Avant et après les opérations, elle fait faire de la kinésithérapie à des survivantes. Et au milieu de tout cela, elle distribue des encouragements. Elle raconte son histoire. Elle aide les autres à croire en leur avenir grâce à la puissance de son exemple. Bernadette donne le même conseil à toutes les survivantes qui le lui demandent. Ce n'est pas la fin de notre vie. Il y en a une autre qui nous attend si on le veut. Les blessures, le viol, les souvenirs ne vont pas s'en aller. Il faut les accepter. On ne peut pas les faire disparaître, même si on aimerait tant. Mais en faisant chaque jour un pas de plus, à force, on peut finir par les laisser derrière soi. Amen. Thank you.
Prions ensemble. Éternel notre Dieu, toi qui es à l'origine de tout élan d'amour, nous voulons déposer devant toi nos inquiétudes, nos impuissances, afin que tu fasses grandir en nous l'amour de nos prochains, de nos prochaines. Nous te prions ce matin, comme tant d'autres personnes, pour le peuple d'Ukraine, déchiré par la guerre qui fait rage. Nous pensons aussi à celles et ceux en Russie qui en subissent d'autres conséquences. Nous avons soif de paix. Montre-nous le chemin. Nous te prions pour toutes celles et tous ceux, partout dans le monde, qui se tiennent auprès des personnes réfugiées, déplacées par la guerre ou victimes de persécutions, par les difficultés économiques, par une catastrophe climatique. Donne-leur le courage et la force de se tenir là, témoins de vie et de fraternité, au cœur du chaos. Nous déposons devant toi les enfants et les jeunes d'ici et d'ailleurs, si inquiets devant le monde que nous leur avons laissé. Donne-leur la force de nous pardonner et donne-nous la force de les écouter. Sois auprès des personnes malades, dans leur corps ou dans leur esprit. Inspire-nous, inspire à celles et ceux qui les entourent, des paroles et des gestes aimants, épreints de tendresse et d'humanité. Et toutes nos prières, nous les rassemblons dans celles qui les contient toutes et que Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Nous dépasserons de peu 11 heures pour ce culte. C'est maintenant le moment des annonces. D'abord, un grand merci à toi, Emma, avec qui c'était un plaisir de préparer ce culte. Merci à toi, Vincent, pour la musique et en particulier pour tout le travail que tu fais pour cette série et qui est magnifique. Merci à Colette pour sa lecture, aux conseillers et aux conseillères qui vous ont accueillis et à vous, bien sûr, pour votre présence priante et célébrante ce matin dans la cathédrale. Dimanche prochain, le culte, je serai là pour la liturgie et c'est Laurence Mottier qui nous proposera une prédication autour du récit dit de la femme adultère dans l'évangile de Jean. Et puis cette semaine, nous avons la prière du soir demain à Saint-Léger à 19h et les samedis la Bible, le samedi, comme son nom l'indique, à 10h à côté à l'auditoire Calvin. Et puis vous trouverez à la sortie Olivier qui vous proposera la feuille de trèfle, le journal des chômeurs et des sans-abri de Genève. Merci de lui faire bon accueil. Et dernière annonce, votre offrande sera recueillie pendant le chant qui vient tout de suite, le 391, confie à Dieu ta route, les trois strophes. Thank you.
J'emprunte les mots de l'envoi à Étienne Guillou, l'autre auteur du site Miettes de Carême. Tout recevoir, même le vide, la fatigue et l'espoir. Prendre en son sein les promesses et les peines. Transformer soir en matin, illusion en rêve de demain. Pétrir l'héritage à s'en user les mains. Extraire les tendresses des violences fossiles. Réveiller les ivresses des projets trop dociles. Et un jour transmettre, abandonner son trésor à l'avenir inconnu, remettre son labeur, ses fruits et sa sève aux prochaines âmes échappées de la flamme. Recevez chacun, chacune, la bénédiction que Dieu vous adresse personnellement. L'Éternel te bénit et te garde. L'Éternel fait rayonner sur toi sa lumière. Il t'accorde sa grâce. L'Éternel lève son visage vers toi et te donne sa paix. Va dans sa paix. Amen.